Jugement d'Amogo Bellinga. Voici où ça coince précisément. Le Zonloi des Zonloi est détenu dans les cellules du 7 il y a de cela plus de 3 semaines déjà. Comment comprendre qu'au Cameroun, que dans un pays normal, une personne passe plus de 3 semaines dans les cellules? Ces choses quasi impossibles, ces choses qu'on retrouve juste au Cameroun, ces choses uniquement qu'on voit au 237. Arrêtez-lui et puis de ses présumés complices dans le cadre de l'enquête de l'ouverture pour décider le maître de Martinez Zogo. Amogo Bellinga va encore attendre quelques jours avant de connaître son sort. Voici pourquoi. Contrairement aux informations distillées sur la toile, Amogo Bellinga n'a pas encore connu son sort. Il reste encore dans les cellules jusqu'à nos jours. Amogo Bellinga n'est pas gardé par la gendarmerie et la police, juste dans l'objectif de détruire un homme d'affaires Ekang qui émerge. Selon le journal L'Indépendance, si Amogo Bellinga est encore au CERD, c'est qu'il y a plusieurs points de tension dans les enquêtes ouvertes par la police et la gendarmerie. Ce que les avocats d'Amogo Bellinga, la gendarmerie et tous les Camerounais attentifs de cette affaire attendent, c'est l'ouverture de l'information judiciaire. Et c'est les éléments qui permettront d'ouvrir cette dernière qui traîne. Ça traîne. La presse a campé au tribunal militaire de Yaoundé. Le complément d'enquête instruit par le commissaire du gouvernement. Un rapport avec les indices nécessaires pour l'ouverture de l'information judiciaire tant attendue jusqu'ici. Lis dans un journal dans le kiosque ce lundi 27 février 2023, mesdames et messieurs. Vers l'annulation de la procédure, les enquêteurs préliminaires n'ont pas pour but d'identifier les autres commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, mais de trouver les fameux indices qui permettront d'envoyer les suspects devant les commissaires du gouvernement, puis le juge d'instruction militaire. C'est ici que le juriste refroidit les odeurs de plusieurs Camerounais. Sans même statuer sur le fond, les juges pourront annuler toutes les procédures si les avocats de Jean-Pierre Amogo Bellinga et compagnie parviennent à prouver l'existence de certains vices de procédure. Il faudrait par la suite l'information judiciaire qui va recommencer pratiquement à zéro et qui va mettre de côté certains éléments. On va arriver au jugement. Je l'imagine, les avocats vont évoquer un certain nombre d'exceptions, tenant même pour la procédure, les arrestations, un certain nombre de choses qui peuvent avoir pour effet l'annulation de la procédure dans certains pays. L'on a vu, il y a eu mort d'homme et la procédure a été annulée parce qu'il y a dès le départ des vices d'explicite le juriste. C'est en parlant de la raison pour laquelle Amogo Bellinga, introductif d'instance des documents par le commissaire du gouvernement,